Par ta résurrection, je vis pour glorifier ton nom. Tu crées en moi un cœur nouveau. Par ton amour, nous t'élèvons plus haut. Toi le chemin, la vérité, tu es la vie. Plus.
en toi un cœur nouveau. Alléluia. Alléluia. S'il a créé en toi un cœur nouveau, veux-tu pousser un cri de joie? Alléluia. Élever ta voix pour l'adorer. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia. Peut-être que tu nous regardes, tu nous dis, tu t'es dit, mais ils exagèrent un peu. Si tu savais d'où il nous a tirés, tu arriveras à la réalisation que nous n'en faisons pas assez. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le temps est notre ennemi, surtout en ce moment de confinement. Vous pouvez vous asseoir juste pour un moment. J'ai juste une vidéo à montrer. C'est la vidéo de la de progrès des travaux à l'église de l'Est sur Beaubien. Est-ce qu'on est prêt? Je n'ai pas le moniteur, je ne sais pas pourquoi. Ah, j'ai le moniteur. Dans nos nouveaux locaux à Beaubien. Vous avez remarqué que même lorsqu'on travaille, on est en cravate. Ça, c'est l'entrée des côtés. Il y a un accès au premier niveau vers l'école du dimanche et le bureau. Et si vous venez par ici, c'est vers le sanctuaire. Là, ce sont les couloirs qui conduisent vers le sanctuaire. Mais juste ici, derrière, nous avons l'endroit réservé. Ce n'est pas, on a encore tous nos outils ici, mais c'est l'endroit réservé pour nos manteaux et nos bottes d'hiver. Ça va être notre vestiaire. Et voilà. Et on n'a pas utilisé l'entrée principale parce que ce n'est pas encore complété. Et, mais si vous me suivez ici, je vous cache ça rapidement. Et si vous me suivez ici, c'est le sanctuaire. En fait, quand vous rentrez par l'entrée principale, vous allez vous trouver dans un vestibule qui donne deux portes, à gauche et à droite. À gauche, c'est pour aller vers le vestiaire. Donc de là où nous venons et monter aux escaliers vers l'école du dimanche et les bureaux. Et ici, vous avez notre sanctuaire. Tu peux couper la musique pour un moment? Et ici, nous avons notre sanctuaire, notre beau sanctuaire qui pourra asseoir au-delà de 250 personnes. Et est-ce que tous les murs sont faits? Nous sommes en train de finaliser les colonnes centrales. Et donc, je ne sais pas si on devait peut-être commencer vers la plateforme. C'est admissible et ça prenait trois marches. Et lorsque vous êtes sur la plateforme, en face de vous, vous avez la cabine de son et qui est assez large pour abriter le son et la vidéo, tout ce qui est internet et médias. Ça va être dans cette cabine-là. Et à notre gauche, nous avons le baptistère et nous le trouvons assez joli. J'aime beaucoup notre coin de baptistère et avec une petite plateforme et voilà. Et nos deux belles colonnes, une qui est presque habillée et l'autre qui va être habillée au plus tard demain. Et nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui est fait. Et si on descend. Deux portes. À gauche, on s'est dit c'était pour aller vers le vestiaire et l'école du dimanche et les bureaux. Et à droite, ça te mène ici vers les toilettes, un beau couloir où deux personnes de grand gabarit peuvent se croiser sans de chicane. Et quand tu arrives ici, ben, tu as la toilette des hommes à droite. Et la toilette des autres, des dames à gauche. La toilette des dames est assez spacieuse. Il y aura trois cabines de toilettes. On va finaliser, je pense, en 3-4 semaines.
une table à l'ange ici, un séchoir à main là, et trois lavabos avec assez de miroirs larges pour prendre au moins quatre dames en même temps. Comme ça, on va accélérer le trafic de ce côté-ci. Et notre pièce chérie, je pense, tu as allumé des lumières. Juste une, oui. Juste une. Ben, en fait, je me débranche. Ouais, ben, on va aller. Right. Et ça, c'est vraiment pour moi ma. On n'a rien brisé. Hein, pour moi, ça, c'est vraiment la pièce, pour ne pas dire favori. Pas favori dans le sens que je veux être ici, mais. Qu'on a fait une belle chose. Voilà, ça c'est notre salle d'allaitement, notre pouponnière pour les bébés et les mamans. Elles vont avoir un coin ici pour allaiter les bébés qui pleurent et on va leur mettre une table pour changer les couches de bébés également. On va leur mettre un écran et la dernière demande qui nous a été faite, c'est une prise avec un aspirateur à main pour dépanner. Donc, ça va être, je pense, un très beau coin. Et comme ça, les mamans ne pourront pas manquer de service. Il y aura un écran. Elles pourront suivre tout ce qui se passe dans le sanctuaire pendant qu'elles sont en train d'allaiter leur poupon. Et de ce côté-ci, la toilette des hommes, bien sûr, plus petite que la toilette des dames. Hein, vous l'avez remarqué déjà en partant. On ne veut pas de chicane et qui sera composé d'une toilette handicapée complètement isolée et une cabine de toilette ici et un urinoir là et avec un lavabo qui sera ici, deux lavabos, parce qu'il y en aura deux, hein. Trois lavabos quand même. Hein. Juste parce qu'il y avait la place. On compétitionne avec les dames et avec un séchoir à main ici. Donc voilà l'église de Beaubien à l'est. C'est là où nous sommes rendus avec les travaux pour le moment. Et nous espérons que d'ici mi-mai, fin mai, tout au plus, on va commencer à accueillir les gens ici. Et continuez de nous garder en prière. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et les travaux, comme vous l'avez pu remarquer, ont beaucoup avancé. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et nous pensons et espérons vraiment que d'ici la fin mai, nous allons commencer à recevoir les gens sur place. Si vous êtes engagé à donner pour les chaises, je vais vous rappeler que dans deux semaines, ça serait bon si nous pouvons avoir vos engagements. Parce que on a payé une partie. Ont commencé à produire les chaises. Dans deux semaines, on doit venir avec la deuxième partie. Donc, ne nous oubliez pas, parce qu'ils ne vont pas nous oublier, en tout cas. Et on voudrait avoir les chaises d'ici, peut-être en début du mois de juin. Et si on a déjà les chaises et tout, ça va être juste fantastique, juste extraordinaire. Ce lundi, déjà, je pense qu'on va être plus dans le ménage. On va... Il y a deux, trois choses à finir et puis on nettoie tout et on fait une transition. On va commencer à faire les planchers. Alléluia. Et puis, je pense que d'ici la fin de semaine, en début de semaine prochaine, on devrait commencer la peinture. Après la peinture, le plafond. Et après le plafond, le tapis. Après le tapis, alléluia, le service commence. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. A-t-il été bon pour vous cette semaine? Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui prêche.